annoncer ce qu'ils souhaitent faire et ce qu'ils ont envie de faire, tant mieux pour eux. Nous, on a travaillé dur durant le mois de novembre et on a vu qu'on avait, on avait bien rivalisé contre, contre les deux meilleures nations du top 3, que ce soit l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais on sait aussi ce qui nous a manqué pour gagner ce genre de match. Donc on a travaillé ça par rapport durant le stage. Et on sait que ben, l'Angleterre est, est en ce moment dans le top 3 et qui domine tous leurs matchs. Donc on va essayer de, comme je l'ai dit et je me répète, mais c'est vraiment se concentrer sur nous-mêmes parce que parce qu'on a pu voir pendant 15 jours qu'on avait fait un travail très intense et que ça fait toujours du bien de se retrouver pendant 15 jours pour préparer un match comme ça. Par rapport à ce qu'ils vont nous faire, je pense qu'on est tous conscients de l'efficacité qu'ils mettent dans leur jeu et surtout de la simplicité, mais de la férocité qu'ils mettent aussi. Donc on sait qu'on sera agressé, que ce soit en défense et en attaque. Donc on s'est concentré surtout sur, sur nous-mêmes pour essayer de contrôler un maximum de réglages qu'on a pu faire cette semaine. Et on sait ce que les Anglais nous proposeront, donc on va se concentrer sur nous-mêmes, à être prêts à défendre, et quand on aura le ballon, à être prêts à conserver, et si on peut marquer. Il n'y a pas d'ordre préétabli ou il n'y a pas de préférence. On attend que le calendrier tombe, et surtout on a eu le temps de se préparer pendant 15 jours, donc on se prépare uniquement à ce match. Et on sait que le dernier match qu'on les a joué, on avait été dangereux. On n'avait pas su concrétiser et marquer. Donc, on sait ce qu'ils ont fait après, après le tournoi Destination et on sait tout ce qu'ils mettent dans leur rugby. Donc, on se concentre uniquement sur le prochain match et non pas sur, sur le déroulement du tournoi. Je ne vais pas parler de résultats, je vais me concentrer et consacrer que au début du match parce qu'on a travaillé très dur depuis 15 jours. Et on va tâcher de répondre présent au combat que vont nous promettre les Anglais. Et après, on verra si à l'issue du match, on tient le bras de fer ou si on résiste. Bien sûr que c'est particulier par rapport à l'histoire et par rapport à cette rivalité. Mais après, on essaye surtout de la mettre de côté. Je peux vous garantir que sur mon discours, je n'ai pas trop appuyé sur ce secteur-là. Ce qui nous préoccupe, c'est notre rugby et tout ce qu'on essaye de mettre en place. On voit qu'on a tenté beaucoup de choses par rapport à la tournée de novembre, qu'on a été dangereux et qu'on se donne les moyens de gagner les matchs. Malheureusement, il nous manque toujours ce petit détail qui peut nous faire basculer et on espère que demain on le trouvera.